J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisque c'est une vidéo qui ne devait jamais sortir sur la chaîne étant donné que c'était des moments privés entre guillemets. On savait pas trop privé si on allait sortir ou pas. Privé mais filmé. Ouais, on savait pas si on allait sortir en vrai. Et franchement c'était archi drôle. En gros ce qu'on a fait c'est qu'il y a quelques temps avant qu'on attaque les travaux, on était dans la piscine quand elle n'était pas finie, c'est-à-dire que la piscine était complètement vide et du coup on avait filmé des moments assez marrants avec les chiens. Arrête ! Pour vous expliquer. Du coup on vous avait filmé ça en fait et on savait pas si on allait sortir. Voilà, sauf que ça fait bientôt un mois qu'on a tourné cette vidéo, on a gardé les passages dans notre téléphone. On a décidé de vous les sortir parce que franchement c'était trop mignon comme moment et en même temps c'était drôle et en même temps je sais pas, genre c'était trop bizarre. Mais avant toute chose, on va vous montrer un petit passage de ce qu'on a fait cet après-midi avec les chiens. Ils ont grave kiffé et nous aussi. C'est important de prendre du temps pour nous aussi. Hors YouTube, on vous a filmé tout ça. Je pense que vous allez assez rire à la fin de la vidéo, voir comment ça se passait avant quand il n'y avait pas la piscine. Les deux chiens, c'était des malades mentaux. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. On met un petit like, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et nouvelle. Et aussi la chaîne du off, les potes qui sera en description. Faut que tu penses à la mettre en description. Ouais, hein. Je la mets à chaque fin de vidéo, mais pas dans la description. Arrête! T'as un problème! Et le code jour, merci à tous les clients fidèles qui nous mettent. Tout simplement, on se dit bon visionnage! C'était putain. On va se promener. On va se promener. Non, non, mais c'est. Va, papa. Va, papa. Allez. Piccolo, tu arrêtes. On va promener. Oui, mon fils. Ils sont comme des ouf. T'es prêt, mon fils? Oui, t'es prêt. Piccolo. Et Piccolo, on peut le lâcher, mais elle, c'est autre chose. Elles sont la lâche désastre. Ça m'a bouffé une brebis. De ouf. Fais ça de life, lui. En vrai, ça va, il reste quand même pas mal vers nous. Et. Elle a vu les brebis lui aussi. Calmez-vous, ils vont rien vous faire. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas vous manger nos chiens. Elles ont peur? Bah ouais, elles ont peur, pauvres bêtes. Laisse-les tranquilles là. Aïe. Bon, ils viennent de rencontrer un copain. Là, ils partent à l'horizon là. C'est le champ. Xena, Pico. C'est ce qui est pratique d'habiter là où il n'y a rien. C'est vrai. C'est qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est trop beau. Xena, viens. Aïe, viens. Viens là, mon cœur. Xena, viens mon cœur. Allez, viens. Oui. Oh, le taureau. Elle me fume. Mais les amours. Bon, bien sûr, on a eu l'intelligence de balancer une balle verte. Et du coup, bah, dans l'herbe. Dans un champ vert. Perdu, quoi. Rencontrer un autre chien, c'était un épagnol mélangé à un... Un Jack Russell. C'était un peu pareil que Pico, mais en plus maigre. Mais moi qui ai eu un épagnol quand j'étais plus jeune et un Jack maintenant, je peux vous dire, ça ressemble vachement à un épagnol. Ah ouais. Elle avait vachement la tête d'un épagnol, mais avec le corps d'un Jack, c'était trop chou. Et venez là, allez. Zou, zou, zou. C'est bien. Tu vois, ils réagissent que quand je dis zou. Zou, je sais pas, il va bien aimer. Et c'est climatique, hein. Ouais. On est en train de se dire que en fait, Pico, on peut le lâcher sans avoir peur. Mais là, c'est encore autre chose. Puis en plus de ça, elle est catégorisée, mais c'est même pas ça le problème. Le truc qui est bien avec Pico, c'est qu'on sait pertinemment qu'il va toujours revenir. Vraiment. Jamais fui ou quoi. Bon, il a déjà fait le tour du village avant là où on habitait. Mais il est toujours revenu au final. Donc. Hein, Pico? Quick? Allez, venez! On y va! On y va! On y va! Oui! Ils sont comme des ouf. Ils se roulaient par terre. Tu vois, ils vont avoir plein de tics. Bon, ils sont traités pour les tics, mais. Maintenant, il y en a qui disent. Il y a plein de maîtres de chiens qui se disent quand t'as un grand jardin, ça sert pas grand chose de les promener. Et ben, bien au contraire. Ah, si. Parce que tu vois, ils sentent plein d'odeurs différentes et tout. Et là, ils sont quand même bien. Dépensés. Bien plus contents ou quoi. Bien plus dépensés que dans leur terrain. Parce qu'une fois qu'ils connaissent l'endroit, les chiens. Mais ils ont vite fait le tour, quoi. Ils ont vite fait le tour après. Genre, ils s'en foutent après. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Allez, Fio Fio. Bon, elle, on lui laisse sa laisse, et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, quand on la rappelle, si elle court trop vite, bah, c'est plus facile de la rattraper plutôt que si on doit lui racheter son. Zena, on fait la course? Si on doit lui racheter son harnais. Zé? Zena, viens! Bah là, ce soir, ils vont bien dormir. Ah, vous... Bah alors, on n'en peut plus? Ça fait moins la maligne là, hein? Des salangues là. Elle est au bout de sa vie. Nico? Viens! Viens me voir mon cœur, Pico. Qu'est-ce qu'il fout encore? Quick. Arrête de faire des trous là où tu dois pas faire des trous. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Ramène-moi ça. Allez, venez, zou. Allez, reparte. Allez, reparte. Allez, reparte. C'est bien. Non, mais non, tu vas la chercher. Mais non. Elle a posé en plein cours, genre. Ça fait 4 ou 5 fois de suite que je leur fais. Ils sont au bout de leur vie, là.
peur, bah oui. Tiens le téléphone. Tu viens, Pico? Ça la défie, c'est problème avec le fait d'être dehors, hein. C'est incroyable. En même temps, elle est contente, elle est dehors, elle est contente. C'est vrai. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aussi, on espère que ça vous aura plu, les gars. On se retrouve ce soir pour le live, sur le live, il faut venir. J'avoue. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.